Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'information qui va être relativement courte, puisqu'on va parler de trois points spécifiques, faire un petit peu le tour de la planète Destiny et des dernières news. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la direction de Bungie a changé récemment. Donc il y a beaucoup de remous médiatiques au sujet de Destiny 2. Peut-être que son origine tenait en cela, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien directeur a été remercié et qu'un nouveau, Pete Parsons, a fait son apparition. Donc Pete Parsons, à qui l'on souhaite la bienvenue et qui nous annonce qu'il compte fermement conserver l'état d'esprit selon lequel Destiny a été impulsé au démarrage. Donc j'espère vraiment sincèrement que cela va être conservé, qu'il n'y aura aucun grand changement majeur dans la ligne de conduite de Destiny. Et j'espère également qu'on aura quelques news du coup au sujet de Destiny 2 puisque ces informations se font réellement attendre. Deuxième information et celle-ci concerne nos fragments calcifiés. C'est une grande nouvelle. Il est enfin déployé sur le site officiel un système qui vous permet de trouver les fragments calcifiés qui vous manquent en fonction de votre personnage. Donc jusqu'ici tous les personnages étaient mélangés, ce qui n'était pas réellement facile pour la quête au grimoire ou encore pour la quête aux fragments calcifiés qui vous permettent d'obtenir l'once de méchanceté. Donc ça y est, c'est enfin résolu, j'ai envie de vous dire, il était temps, ce nouveau système s'est vraiment fait attendre. Donc pour le retrouver, rien de plus simple, vous allez directement sur bungie.net, dans l'onglet ma légende, puis conseiller, et lorsque vous descendez, vous avez le tableau des fragments calcifiés répartis selon chaque personnage avec le fragment précis qu'il vous manque. Et enfin pour terminer, dernière news, elle concerne le fameux correctif de PVP qui tourne en ce moment sur Destiny. Alors dans un premier temps, faites bien la différence puisque c'est un correctif de lag qui est apporté uniquement sur le mode bannière de fer. Donc si vous ne voyez aucune différence sur les autres modes de jeu, eh bien c'est normal puisque ce correctif est un correctif test. D'ailleurs il a déjà été déployé en deux parties, la première n'étant pas suffisamment calibrée. Donc la deuxième partie, le deuxième déploiement de ce correctif s'avère beaucoup plus efficace puisqu'étant joueuse de cette bannière de fer depuis le 26 janvier, c'est-à-dire depuis avant le déploiement du correctif, j'ai vu une nette différence entre le 26 et le 27 au soir. C'était pas le cas avec le premier correctif, mais le deuxième déploiement, je trouve, a vraiment fait une différence. Après, évidemment, vous pourrez pas échapper au joueur qui a vraiment une connexion dégradée. Il y en aura toujours un dans la partie, mais la recherche et le matchmaking se font quand même de façon beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus rapidement. Alors, bien évidemment, il s'agit encore de mon avis personnel. Peut-être que pour le coup, avec mon équipe, on a eu de la chance hier dans notre matchmaking. C'est l'occasion pour vous de me faire part de vos retours sur ce correctif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que ça a changé un petit peu quelque chose? Bien évidemment, vous trouverez toujours un joueur qui lag de temps en temps, ça vous pourrez pas l'empêcher, mais est-ce que quand même vous trouvez que votre expérience en bannière de fer a un petit peu changé depuis ce correctif? C'est l'occasion pour vous de me partager votre point de vue dans les commentaires. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite à tous bon courage pour cette nouvelle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde!